Bonjour, c'est Carole Kamaté. Nous continuons avec notre émission La Bonne Nouvelle sur la foi. Nous allons parler de la définition de la foi et nous allons entrer en profondeur dans cette définition de la foi. Il est bien de demander à Dieu quelque chose, mais il faut savoir ce que nous demandons à Dieu. Il faut le faire avec précision. Bartimée avait entendu parler de Jésus-Christ. Bartimée avait crié à Jésus lorsque Jésus passait. Bartimée était un aveugle qui habitait à la sortie de Jéricho. Bartimée a entendu parler de Jésus. Bartimée, aveugle, a entendu Jésus passer. Bartimée a crié à Jésus-Christ. Et lorsqu'il est venu devant Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Donc beaucoup aussi, comme Bartimée, entendent parler de Jésus-Christ, écoutent la parole de Dieu, beaucoup crient à Jésus, comme Bartimée, et beaucoup même sont emmenés vers Jésus, beaucoup sont même devant Jésus. Mais Jésus-Christ ne voulait pas que Bartimée continue à crier, « Fils de David, aie pitié de moi !» Il a dit à Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse ?» Il avait besoin d'une précision. Jésus demande à ce que tu sois précis. Lorsqu'on parle de foi, il y a la précision, il y a des choses que tu espères. En quoi espères-tu? Quelles sont les choses que toi tu espères? Parce que la foi doit être précise. La foi demande les choses avec exactitude. Si tu n'es pas précis, c'est que ce n'est pas encore la foi. Parce que tu t'attends à tout avoir. Pourquoi est-il important de pouvoir demander avec précision? Psaume 20, verset 4 nous dit que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Et Psaume 37, 4 que tout le monde connaît dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Mais le problème c'est que les chrétiens font de l'Éternel leur désir, mais il n'y a rien de précis que ton cœur désire. Ton cœur désire de l'eau chaude, mais le même cœur désire aussi l'eau froide. Donc tu désires toi-même des choses contradictoires. Donc tu as des désirs soit imprécis, tu ne sais pas ce que tu veux, soit tu as des désirs contradictoires. Toi-même tu demandes à Dieu que tu veux marier un Européen, toi-même tu demandes à Dieu que tu veux marier un Congolais. Donc tu demandes des choses parfois qui sont contradictoires. Tu demandes à Dieu que tu veux devenir riche, mais tu demandes aussi à Dieu, je ne veux pas de la richesse. Donc c'est contradictoire. Il faut que tu sois précis pour faciliter ta bénédiction. Et Nombre 14-28 nous dit, je ferai comme tu as fait entendre à mes oreilles. Qu'est-ce que tu fais entendre aux oreilles de Dieu? C'est important que tu sois précis, parce que la foi est précise. Nous allons prier maintenant. Nous allons demander à Dieu de nous aider à être précis dans notre vie avec lui. Père éternel, te demandons la précision. Révèle-nous, Seigneur mon Dieu, les desseins de notre cœur. Apprends-nous à prier avec précision et te dire précisément ce que nous voulons pour recevoir, Seigneur mon Dieu, plus facilement ce que tu as réservé pour nous. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était Carole Kamaté, La Bonne Nouvelle. Nous nous retrouvons pour une prochaine émission. Que Dieu vous bénisse.